Holy Ghost, I am born again. Take glory, Father. Oh, take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. I am born again. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. Oh, an, Falik. Saint Esprit, la gloire te revient pour l'éternité au nom souverain de Jésus Christ. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es vivant. Il n'y a rien de plus grand que de te connaître. C'est pour ça que tu as dit, avait raison. Si quelqu'un doit se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître, moi l'Éternel. Seigneur, je me glorifie de te connaître. Toi, l'Éternel, le seul vrai Dieu. Béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom souverain de Jésus Christ. Béni soit quiconque sera connecté ce matin pour ce service de délivrance et de restauration. Au nom de Jésus. Béni soit ceux qui partagent cette vidéo dans la foi au nom de Jésus Christ. En croyant que l'Éternel les touchera. Seigneur, béni soit-il à jamais. Au nom souverain de Jésus Christ. Tes Père Taie glory Son. De glory Holy Ghost. I am born again. Oh, Gamma Zaman. Bonne arrivée, bonne arrivée. Bonjour, bonjour. Alors, on se connecte quelques minutes avant 10 heures pour permettre aux retardataires de nous rejoindre. Et pour gagner en temps aussi, parce que vous savez que ça va fort et ça va vite. C'est très rapide ici dont nous avons, je profite pour parler, oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. Barika wa Anna Mirazo. salamio, de inna islai, wa inna pramiraza. Salata wa Anna Kerazo. Bintata wa in Aben, wa inna Aben, filiaudali galfalas, Mania nau arbias prazei. konorado minaudali udali filia nau arno, wa ines praden, wa ines cro, fremi en ares, man adei filika. Seigneur, merci. Parce que tu vas encore briser les malédictions. Les témoignages viennent de partout. Partout. On a notre fille, Mama Bema, qui nous a écrit, parce, seulement parce que son message est un peu long. Donc, quand vous nous envoyez les témoignages, s'il vous plaît, sur Messenger, demain, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer déjà. Hein, C'est que demain, par la grâce du Seigneur Jésus, nous aurons un numéro disponible. Ça veut dire WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos témoignages. On va prendre vos témoignages. Il y aura un numéro WhatsApp par lequel nous allons avoir des appels. Les appels, les témoignages, appels directs ou bien appels WhatsApp, etc. Donc demain, ce sera fait. Donc, Maman Bema, est l'une de nos filles. Elle est en France, je pense. Elle peut confirmer son témoignage. Elle est en direct. Elle est très fidèle. Et je vous suis béni Dieu pour tous nos partenaires, pour tous ceux qui, de près comme de loin, se sont distingués. Pour la famille Olympia au Togo qui se distingue de manière extraordinaire et pour toutes ces autres personnes, vous êtes très nombreuses, hein, très très nombreuses en tant que personnes qui vous distinguez à soutenir ce ministère, dont tous ceux qui se sont inscrits pour la conférence internationale des bâtisseurs de Baptiste la maison de l'Éternel, oh que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, tous ceux qu'on n'a pas pu avoir euh, samedi passé, ce samedi, je vous appellerai alors la conférence internationale en ligne des bâtisseurs ou des partenaires si vous voulez, se passe comment, vous appelez à notre numéro, ça veut dire au nom soit de maman euh, mama Mukoko ou bien, écoutez bien, maman Mukoko et Mungai, maman Mukoko et Mungai. parce qu'il y a tellement d'arnaques, donc maman Mukoko et Mungai, ou vous appelez au, au numéro de maman Mireille Rose, Mousseni Otam, donc les deux numéros, et elles vont vous dire comment vous enregistrez, faites bien attention. Rassurez-vous encore avant d'envoyer votre argent. Rassurez-vous que c'est les bonnes personnes. Si ce n'est pas Maman Mokoko et gars. épouse poli. <laughs> c'est qu'elles ont des noms très 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 kilométriques, <laughs> des noms très puissants. Donc ou Maman Mireille Rose, Monsieur Donc vous vérifiez, rassurez-vous et méfiez-vous. On m'a expliqué que les arnaqueurs aujourd'hui sont en train de travailler. En sorte qu'ils vous font des appels. Premièrement, nous n'envoyons pas des invitations aux gens. Ça, c'est la, la première chose. Ça dit on n'envoie pas de messages aux gens. Non, non. Nous recevons. Il y a tellement des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de messages que qu'on n'arrive pas à lire. Vous comprenez donc Méfiez-vous. Soyons très sages. Soyons intelligents. Donc, eh, par la grâce de Dieu, quand vous avez ces deux mamans, elles vont vous inscrire. Elles vous donneront les modalités pour l'inscription. Lorsque vous êtes inscrit, c'est bon. Maintenant, vous pouvez faire un transfert d'argent pour envoyer votre sémence ou votre participation. Et là, on vous donnera la date. Personnellement, je vous donne la date du jour où je vous appelle. C'est un appel vidéo. Donc, on m'a dit que les arnaqueurs prennent ma photo ou la photo de mon épouse pour pouvoir appeler les gens se passant pour moi. Non, c'est pas une photo. La photo n'appelle pas. L'appel vidéo, c'est live. Donc, c'est un live. Vous me voyez en live. C'est pas, on comprend les, les, les photos avec les capuches, etc. Non. Méfiez-vous. Tant que vous n'avez pas, on vous dit après que non, la ligne dérange, c'est des arnaqueurs. Méfiez-vous. N'envoyez pas l'argent à quelqu'un si vous n'êtes pas sûr. N'envoyez pas, éprouvez la personne. Et je vous permets ceci. Si vous discutez avec quelqu'un qui vous dit que je suis le prophète Ferdinand et Canet, demandez-lui l'appel vidéo. Appelez. Demandez l'appel vidéo. Parce que puisque je ne cause pas avec les gens, hein, je ne cause pas avec les gens sur Messenger, je n'écris pas aux gens ou je ne communique pas. Avec les gens, on n'a pas. Assez de temps pour ça. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est le prophète, Ferdinand est exigez lui, un appel vidéo. Dis-le, prophète, il n'y a pas de problème, hein? L'argent est à côté, mais il faut d'abord que je vous vois face à face. Donc, méfiez-vous. Les miracles qui accompagnent les faux comptes en mon nom et au nom de mon épouse, c'est qu'on demande l'argent à la fin. On vous dit, on parle de l'huile de Moïse, l'huile d'Abraham, l'huile de l'archange Michel, l'huile de faveur et tout ça. Toutes ces choses-là doivent vous mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un comme moi, je ne peux pas venir vous demander d'acheter de l'huile ou bien d'acheter je sais plus quoi. Donc soyez aussi parfois intelligent Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, j'étais de 10 ans. ans. J'étais de 10 ans. Eh, ma grand-mère n'est pas allée à l'école. J'étais de 10 ans. Il y a notre fille, maman. Il y a tellement de témoignages. Hein, il y a très, tellement de témoignages. Notre fille, maman Béma qui est en France, euh, depuis des années, je ne sais pas combien d'années exactement, elle peut confirmer ce témoignage. Euh, elle avait un problème de cœur. Voilà, un problème de cœur. Donc, ça fait que ces mouvements, les déplacements, les voyages, tout ça, c'était un peu difficile. Elle a quitté la France, elle est venue au Cameroun et nous avons pris ensemble par rapport à cela. Et après, je pense que je vais me donner son numéro pendant les prochaines éditions pour tous nos enfants d'Europe. Parce qu'après le COVID-19, je serai en Europe avec Momi certainement. Alors, ce qui se passe, c'est quoi C'est que après... Le mois, pendant le mois d'avril, à la fin du mois d'avril, vous savez que le mois d'avril, nous avons eu un service de lavement des pieds. Et elle a suivi le programme. Et elle avait sa bouteille d'eau. voyez, en France. Elle avait sa bouteille d'eau. C'est là que nous disons que la distance n'est pas une barrière. Quand vous avez la foi, vous suivez ce programme. Quel que soit le pays où vous me regardez tout à l'heure, vous recevrez votre témoignage. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte, Ça, c'est des réalités. Et j'ai demandé à Maman mama Bema, excusez-moi. Je demande à Maman Bema de m'envoyer les résultats hein, de l'hôpital. Il faut nous envoyer les résultats de l'hôpital. C'est important pour nous. C'est important. Parce que les gens doivent comprendre que le travail que nous faisons ici, si, nous ne perdons pas notre temps. Si on perdait le temps, on ne serait plus là à parler aux gens. Non, nous ne perdons pas le temps. Nous sommes en train de rendre un grand service aux nations, aux peuples de la terre. Il y a tous les croyants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle est partie... Et elle me dit qu'elle a, elle a utilisé des termes un peu compliqués là. Il paraît qu'il y a des veines qui vont au cœur. Alors, l'hôpital lui a dit que les veines là doivent être touchées. Et puis, après avoir fait son service de lavement des pieds, elle a dit, Seigneur, je crois que comme je me connecte au service de ton serviteur, je sais, Seigneur, que je reçois ma délivrance et ma guérison. Je sais que je suis délivré. Je reçois mon miracle. Quelqu'un doit dire ça. Oh! Commence à dire ça dans ton cœur. Seigneur, comme j'écoute le témoignage de Maman Bema, je sais que je reçois mon miracle. Je reçois ma guérison. Quelle que soit la situation, peut-être vous n'êtes pas malade. Hein? Il y a un problème que vous avez dans un ministère ou bien je sais pas, un document que vous attendez. Et pour beaucoup de mes enfants en Europe, nous vous portons dans le cœur. Avec mon épouse. Vous qui n'avez pas de papier, etc. Vraiment, la grâce de Dieu peut le faire pour vous. Donc, quel que soit ton problème, crois. Que pendant que tu écoutes ce témoignage, toi aussi tu reçois ton miracle. Alors elle dit que quand elle arrive à l'hôpital, on fait des examens et on regarde où c'est la horte, ou c'est quoi là, et on se rend compte qu'il y a un danger. Et son cardiologue lui dit, il faut faire les examens immédiatement. Voilà comment on fait des examens. Mais elle dit, Seigneur, je crois en toi. Je sais, comme j'ai fait le service de la main de pied, ta main est dans ma vie. Et elle explique que lorsqu'on a fait. Le scanner, le scanner est sorti négatif. Ça veut dire que tout était arrangé, tout était, et le docteur était dans l'étonnement. Et elle m'a écrit, elle a fait le voice en disant, Papa, je suis un témoignage vivant que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors, on lui a dit que son cœur n'a aucun problème. Je parle d'une femme, une maman qui a eu mal au cœur pendant des décennies. Pendant des décennies. On lui déclare que son cœur est sain. Elle n'a plus de problème de cœur. Comment ne pas louer Dieu Comment ne pas servir le Seigneur Et comment ne pas être encouragé dans des programmes comme ceux-ci à dire que la main de Dieu est agissante au milieu de nous. Et hier, quand nous avons fini euh, le direct d'hier, euh, ma belle sœur, maman Mireille, euh, Mireille Rose, <laughs> elle est calée dans les toilettes. Pourquoi Parce qu'elle a pris le risque d'aller laver sa face dans les toilettes. L'onction l'a bloqué là-bas. Donc elle m'a expliqué qu'elle est sortie des toilettes à quatre pattes. Parce qu'elle ne pouvait pas être debout. Sinon elle allait tomber. Elle, elle risquait de se faire mal dans les toilettes. Et elle se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Et elle a causé, mais avec maman Bema en France, qui lui a dit qu'elle ne peut pas elle aussi se mettre debout parce que la gloire de Dieu est sur elle. Parce que l'onction est sur elle. La puissance de Dieu est réelle, frère. Sa puissance est réelle. Ce n'est pas les jeux. Ceux qui pensent encore que c'est des jeux ou que c'est une perte de temps, ou que c'est du charlatanisme, je vous dis la vérité, vous êtes en retard. Vous n'avez rien compris du christianisme. Le christianisme est puissant. Pendant que je parle, des boules vont disparaître dans vos corps. Non, c'est pas le jeu. S'il y a des gens qui ont expérimenté ça, je vous encourage à rendre témoignage. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Vous comprenez Par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Ça veut dire que quand tu reçois un miracle et que tu témoignes, ton miracle est scellé. Dans le sang de Jésus, et cette maladie ne reviendra plus jamais. Donc, il faut que les gens apprennent à rendre témoignage et à confirmer les œuvres du Saint Esprit dans leur vie. C'est pas un homme qui cherche sa gloire. C'est pas une histoire d'homme. Hein, C'est une histoire de gloire de Dieu. La gloire est à Jésus. C'est ce Jésus-Christ là qui va te toucher où tu es. Donc, quel que soit le pays où vous êtes, prenez votre bouteille d'eau, préparez la bouteille d'eau. La main de Dieu va agir. La puissance de Dieu va agir. La gloire de Dieu va agir. Alors, je sais que le Seigneur est vivant. Et des choses extraordinaires, des miracles bizarres sont sur le point de s'accomplir encore ce matin. Je dis la vérité devant Dieu. Des miracles bizarres. S'il y a quelque chose qu'on a mis dans ton ventre, ça va sortir. Ça va sortir. Quel que soit ce qu'on a mis dans ta vie, ça doit sortir. Le lavement de la face, le Seigneur te sépare de la malédiction, de la maison de ton père et de ta mère. On va voir toutes ces choses-là. On a Stéphane Kwaku, laissez-moi lire quelques témoignages rapidement et on va revenir dans l'enseignement et la prière de délivrance. Préparez vos dossiers, préparez les dossiers, préparez vos photos. Mets à côté les photos de tes membres de famille qui ont des problèmes. Mets ça à côté. Tu vas mettre le là-dessus et tu verras ce que la main de Dieu fera. On a Stéphane Kwaku qui a écrit hier, hein, ça c'est le service d'hier. J'ai été saisi par le Saint-Esprit avant de laver mon visage pendant la prière et après avoir bu l'eau depuis Abidjan. Depuis Abidjan. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur agit encore au milieu de nous. Seigneur, la louange et la gloire. On a plus de 6 000 commentaires. 6 000 commentaires. Quand on voit les gens réagir comme ça, ça veut dire que quelque chose se passe dans leur vie. Que Dieu te bénisse et que la grâce soit multipliée euh, fois mille papa voilà donc euh, nous il dit la personne si ça c'est Collins Coco je suis connecté une heure après mais j'ai ressenti l'onction de Dieu vibrer mon corps gloire à Dieu merci pour tout ce que euh, tu fais papa donc vous voyez il dit que une heure de temps après le direct l'onction de Dieu écoutez quand tu te connectes même après le live la puissance est la même l'onction est la même le pouvoir de Jésus Christ elle-même. C'est ça la réalité. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, on a tellement de témoignages que pour fouiller parmi les 6000 témoignages, c'est un peu compliqué pour moi ce matin. Voilà. Donc, on a reçu beaucoup de témoignages. Seigneur, nous te bénissons au nom souverain de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos témoignages, s'il vous plaît, au nom précieux de Jésus. Oh Gamazama Rosmi, wa inna aprozen lo inna barazo blamora, somai dali mansa ou lai, dalamen, wa inna blomita ou Felal. Ça, c'est le parler en langue, hein. C'est pas la langue de mon père ou de ma mère. Seigneur, je prie au nom de Jésus Christ que ta gloire se révèle dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous avons trop de problèmes. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Père manifeste ta gloire dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. On a marqué Pagiel. Seigneur, libère les documents dans la main du gouvernement allemand au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi Pagiel. Recevez ce miracle dans le nom précieux de Jésus. Je déclare que le gouvernement allemand vous appellera pour libérer vos documents, dans le nom souverain de Jésus Christ de Nazareth. Envoyez-moi aussi vos sujets de prière et nous allons prier ensemble. La mita dali forosa blakera mi anorau zalfa dei wa inna bromerau zala nad rubli larisa romane qui écrit je tremble terriblement d'adie, c'est-à-dire l'onction, la toucher et elle tremble. Seigneur, merci pour les manifestations des œuvres du Saint Esprit au nom précieux et souverain de Jésus Christ. Seigneur, merci parce que tu es vivant. La louange revienne pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoutez, nous allons aller dans la Bible rapidement. Je vous ai parlé hier des injonctions prophétiques. Les prophètes sont dangereux. C'est pour cela qu'il y a même certains hommes de Dieu qui ont peur de nous. Je suis allé en Europe, même en Suisse, que ce soit en Suisse, en France. Il y a des hommes de Dieu qui immédiatement ont fait des conférences contre moi pour dire aux oh, brebis méfiez-vous des prophètes. Ou d'autres en Suisse. On leur a dit méfiez-vous de ceux qui arrangent les grandes foules. Hein, vous suivez toujours ceux qui suivent les ceux qui sont suivis par les foules. Quand vous voyez les foules suivre quelqu'un, c'est que ces foules ont vu quelque chose. Elles ont vu quelque chose. Elles sont témoins de quelque chose. Ne dites pas que les gens sont des moutons et que vous êtes plus intelligent que nous tous. Ce n'est pas possible. <laughs> non non non, n'est pas possible. Quand vous voyez les gens suivre un homme, c'est que il y a quelque chose. À l'époque du Seigneur Jésus, je vous ai parlé de la contestation qui a existé entre Jésus-Christ les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Hein? Les, les pharisiens, les scribes avaient des temples en or. Jésus n'avait pas ces temples-là. Mais les gens préféraient sortir de ces temples en or pour suivre Jésus-Christ et s'asseoir dans la poussière, sur du gazon, pour écouter le l'évangile de Jésus-Christ, s'asseoir au bord des, des, des fleuves pour écouter le Seigneur Jésus. En sorte que parfois les gens étaient même sur le point de nager pour aller chercher Jésus pour lui dire que l'heure de la réunion est arrivée et tu n'es pas là comment oui. Donc les gens, les synagogues se vidaient. Pourquoi Parce que, en fait, je ne pense pas que les gens se contentent juste de l'excellence qu'il y a autour de, du luxe dans le lieu d'adoration. Non, les gens ont besoin des solutions à leurs problèmes. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Les gens ont besoin des solutions à leurs problèmes. Et quand il y a un endroit où il y a la solution, les gens y vont. Le Seigneur Jésus lui-même, expliquer ce fait en disant en quelque lieu se trouve le cadavre là se trouveront les vautours donc ça veut dire quoi le vautour si tu vois les vautours c'est qu'il y a un cadavre quelque part et jésus voulait dire quand tu vois un rassemblement ça veut dire qu'il y a l'onction quand tu vois un rassemblement que les, ça veut dire les gens ont la solution à leur problème donc, on ne va pas dire que nous sommes des moutons. Non. Ces gens qui nous suivent sont plus intelligents que nous-mêmes. Ils ont le discernement. C'est des brebis du Seigneur Jésus Christ qui entendent et reconnaissent la voix de leur maître. Donc, nous bénissons le Seigneur. Quand vous voyez 6000 commentaires lors d'un programme comme celui-ci, c'est que les gens parlent parce que quelque chose se passe dans leur vie. Je prie que Dieu brise les malédictions de la terre dans ta vie au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler du brisement des malédictions de la terre. Et j'ai expliqué pour ceux qui sont là, connectés pour la première fois, que nous sommes rattachés à la terre. Dieu a dit, vous êtes poussière, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, automatiquement, les malédictions de la terre m'influencent. Et les malédictions qui m'influencent, influencent ma terre. C'est pour cela qu'il faut que la terre soit délivrée de malédictions pour que ma vie soit aussi délivrée de ces malédictions. Et j'ai expliqué qu'on a beaucoup de nos enfants qui quittent l'Afrique pour aller en Europe, par exemple, pour se chercher. Mais qui se rendent drôlement compte que même là-bas en Europe, les mêmes symptômes, les mêmes mots qui frappaient leur vie en Afrique les suivent là-bas. Les mêmes rêves les suivent là-bas. Les mêmes cauchemars les suivent là-bas. Les mêmes nuits cauchemardesques et chevaleresques les suivent là-bas. Ils sont milduisés par les mêmes phénomènes maléfiques qu'ils subissaient étant en Afrique dans le village. Ça veut dire quoi? Parce que c'est la terre. La même terre en Afrique, c'est la même terre en France, c'est la même terre aux États-Unis, c'est la même terre en Asie, c'est la même terre partout. La terre, c'est la terre. La terre de la France, n'est pas en or. Non? La terre des États-Unis, c'est pas en diamant, c'est la même terre. Et parce que c'est la même terre, la même malédiction qui est sur la terre ici, c'est la même malédiction qui te trouve là-bas parce que tu piétines la même terre. Donc tu es en contact avec la terre. C'est pour ça qu'il faut que tu te rassures. Que les malédictions de la terre, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, que ces malédictions ont été brisées. Et je veux prendre mon temps tout au long de ce mois pour vous enseigner sur l'influence des malédictions de la terre. C'est pour cela que Dieu nous a dit qu'il faudrait. C'est pour cela que Dieu m'a dit, prie sur les terres de leur village. Donc si tu peux apporter la terre de ton village, la terre de ta maison, s'il te plaît, fais-le. Même étant qu'on était en direct, hein, parce que la semaine prochaine, pendant les services en direct, nous allons briser les malédictions de la terre pour tous nos téléspectateurs et nos, et nos fils et nos filles qui n'ont pas l'occasion d'être en direct avec nous ici au Cameroun. Nous allons, tu vas prendre la terre, prépare la terre, voyage. Va dans ton village, prends ta terre, prends la terre de ta maison, prends la terre de ton champ, tiens cette terre. Nous allons faire quelque chose. Et tu sauras qu'il y avait des malédictions cachées dans ta vie dont toi-même, tu ignorais l'existence. C'est pour cela que je célèbre l'esprit des prophètes et de la prophétie. Qui est l'esprit du témoignage? Nous bénissons Dieu pour cela. Donc, nous retournons dans la Bible. Nous étions, on a commencé une histoire hier, et je ne veux pas courir. Je veux prendre le temps pour que les gens comprennent. Deux rois, chapitre 5, à partir verset 1. Deux rois, 5. le diable est dans les problèmes, hein? Pendant que je parle, là, les forteresses de ta vie, là, les forteresses maléfiques, là, sont en train de pleurer. Pourquoi l'homme s'y fait l'émission, là? Pourquoi tu t'es connecté à cette émission? Voilà pourquoi j'ai dit que si tu aimes quelqu'un, Connecte la personne à cette émission. Connecte la personne à cette émission. Je t'en supplie. Fais-le. Deux rois, chapitre 5, empathie, verset 1. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Quelle est la lèpre de ta vie? Cet homme fort, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Parfois, tu vois quelqu'un, tu convoites la vie de la personne. Tu convoites la condition de la personne. Mais tu ne sais pas que cette personne est lépreuse. Hein? Cette personne souffre de la lèpre. Il y a une lèpre dans sa vie. La lèpre, c'est une malédiction qui gangrène ta vie. La lèpre, c'est une malédiction qui mildiose ta vie. Les gens te voient, tu es belle, tu es beau, mais la nuit, tu pleures. Quand tu es seul, tu pleures sur ta vie. Il y a quelque chose, tu ne peux pas exprimer ça en public, mais qui est en train de ruiner ta vie qui est en train de, de, de cataclysmer ta vie, qui est en train de démolir ta vie, en train de désagréger ta vie. Donc c'est de ça qu'il est question. Dieu va te guérir de cette lèpre dans ta vie. Ça peut être dans ta vie sentimentale, ça peut être sur ton corps. Hein? Sur ton corps, tu peux porter quelque chose que les habits cachent dans ton corps et qui te rend malheureux, qui constitue une lèpre pour toi. Ça peut être sur le plan caractériel, sur le plan comportemental. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, etc. etc. Ça peut être sur le plan spirituel. Dans ta relation avec Jésus, tu peux avoir une lèpre qui t'empêche de porter l'image de Christ en toi. Donc, nous allons prier pour cela. Et la Bible dit oh les Syriens étaient sortis par troupes. Pardon. Or, Désolé. Oh, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse, Oh, si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naman alla dire à son maître, La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oh, laisse ton ami la venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète au Cameroun. Élisée lui fit dire Naman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans les Jourdains. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et les Parpares, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, Mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se prolongea cette fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naman retourna vers l'homme de Dieu. Maintenant, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, toute personne qui a une lèpre dans sa vie, ou qui connaît quelqu'un qui a une lèpre et qui est connecté à ce programme, qui détient la photo d'une personne, qui a une souffrance qui constitue une lèpre pour sa vie, Seigneur, je brise ces lèvres au nom de Jésus. Tous ceux qui laveront leur face trois fois ce matin seront délivrés de cette lèvre dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Il en sera ainsi à ma parole au nom de Jésus-Christ par l'esprit de la prophétie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand vous lisez le passage, j'ai dit hier qu'il y a des gens qui s'amusent avec les hommes de Dieu. Les gens qui jouent avec les hommes de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans, euh, je pense Matthieu 10, verset 42, 43. Il dit "Ô décomé non prophète nomma mis ton prophétulem, c'est Si quelqu'un reçoit un prophète parce qu'il a discerné que cet homme est un homme de Dieu et qu'il a le manteau de Dieu dans sa vie, s'il discerne ce manteau, cette personne en recevant ce prophète, en qualité de prophète, n'aura pas à l'héritage de ce prophète. Ça veut dire quoi J'ai expliqué que chaque homme de Dieu que Dieu appelle a un manteau et ce manteau constitue l'héritage de Dieu dans la vie de cet homme. Et cet héritage est l'onction distinctive qui caractérise cet homme de Dieu par rapport à d'autres hommes de Dieu selon ce qui est écrit quelque part. Mon bien-aimé se distingue entre les dix mille temps. Vous qui vous connectez aux hommes de Dieu, il est important de discerner quelle est la grâce que tel homme de Dieu porte. Toi qui es connecté à ce programme, il faut, il est important, importantissime. Que tu saches quel est le manteau que porte le prophète Ferdinand Ekane. Quelle est la grâce que Dieu lui a donnée, qui fait de lui un homme de Dieu distinct ou distinctif par rapport à d'autres hommes de Dieu? Parce que c'est important. Si tu ne connais pas la grâce que je porte, tu ne connais pas les couleurs qui constituent hein, mon manteau prophétique. Alors, comment est-ce que tu pourras prier Dieu? Dans quel domaine sauras-tu qu'il faudra orienter tes demandes? Tu dois savoir, par exemple, que le prophète Ekané a la grâce de la vitesse. L'onction de vitesse, ça veut dire que si tu veux faire les choses en dévançant ta génération, ça va. connais toi à moi, les choses vont arriver. Si tu veux faire en dix jours ce que d'autres font en dix ans, ça c'est un exemple. Hein. Il y a beaucoup d'autres grâces que le Seigneur a donné à mon manteau. Donc, se connecter à un programme sur Facebook ou bien à la télé ne devrait pas être un jeu. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sacré. Tu dois te préparer d'abord. Avant que l'heure du direct n'arrive, tu te mets à genoux. Tu pries. Tu dis, Seigneur, dans quelques minutes, dans quelques heures, je serai en contact avec ton serviteur. Je prie que le don que tu as mis en lui parle en ma faveur. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le vase de terre, c'est notre corps charnel. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribué à nous, mais à Dieu. Donc Paul reconnaît qu'il porte, que nous portons en tant que serviteurs du Dieu vivant, une grande puissance en nous. Et il appelle cette puissance un trésor. Donc nous portons un trésor. À chaque fois que tu te connectes à un homme de Dieu, ou un, tu te connectes au trésor de Dieu dans sa vie, qui devient le trésor de Dieu pour ta vie. C'est pour cela que lorsque Naman arrive, j'ai dit hier qu'il y a des gens qui veulent conditionner les prophètes. Tu peux conditionner peut-être un pasteur. Tu peux conditionner un évangéliste. Ou bien un docteur de la parole. Mais vous ne pouvez pas conditionner un prophète. Le général Naman, la Bible dit que quand il s'approchait du prophète, il savait qu'il est général. Et donc parce qu'il est général du haut de son grade de général, quand il va arriver, le prophète va sortir, le prophète va faire des courbettes devant lui. Et il dit qu'il pensait que le prophète va mettre la main où il est lépreux là, tu tues la lèpre pour enlever la lèpre. Non! Il envoya sa parole et les guérit. C'est pour ça que, gens de peu de foi, votre foi doit être révolutionnée. Vous devez demander à Dieu de vous augmenter la foi, comme les apôtres avaient demandé à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. C'est important. Hein? Dieu fait avec ses serviteurs comme il veut. Les hommes de Dieu et les prophètes surtout sont comme le vent qui s'ouvre. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Donc, le général pensait que, OK, comme il est général... Le prophète va sortir, il va se courber, il va dire oh mon général, vraiment bonne arrivée. La lèpre c'est où Déshabillez-vous. Entrez dans ma maison. Oui vraiment, il n'a pas ouvert sa porte au général. Il n'a pas reçu le général dans sa maison. D'ailleurs, il n'a même pas daigné sortir rencontrer le général. Voici un vrai prophète. C'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui qui sont prêts à faire les courbettes devant les gens parce qu'ils ont l'argent. On s'en fout de ton argent. On s'en fout de ton grade. On s'en fout de ce que tu es passé en vérité. Tu n'es rien. Toi-même, tu le sais. Si tu étais quelqu'un, pourquoi est-ce que ta lèpre est là? Pourquoi tu portes la lèpre? Pourquoi tu n'as pas la solution à cette, lèpre-là? Deux fois, tu es homme. Tu ne peux pas être un lépreux et tu es orgueilleux en même temps. Et tu te fasses. Ok, si tu te fasses, tu pars. Mais qui sera mal acquis, mal acquis, lépreux? C'est toi ou c'est le prophète? de ben, il y a des gens qui ont des problèmes chargés par des démons. Mais il vient voir l'homme de Dieu, il veut conditionner l'homme de Dieu, il veut imposer son rythme à l'homme de Dieu, peut-être parce que c'est une autorité ou bien parce qu'il a l'argent et tout. Non, écoutez, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. S'il ne s'était pas lavé, comme l'homme de Dieu lui avait dit, il serait mort lépreux. Et Naman va dire quelque chose qui est quand même choquant. Il va expliquer, non, mais est-ce que le Jourdain, c'est un petit fleuve hein? Chez nous, là, l'Albana et le Parpar, hein? en Syrie, c'est des grands fleuves. D'accord, c'est des grands fleuves. Ça t'a guéri Ça t'a guéri qui oui, c'est des grands tu te ventes de... Ce pas la grosseur qui fait quelque chose, ce n'est pas la grandeur qui fait quelque chose, ce n'est pas l'étendue qui fait quelque chose, mais c'est la présence de la grâce de Dieu. Le Jourdain était peut-être plus petit que le Parpar, le Jourdain était plus petit que l'Albana, mais le Jourdain était loin. La main de Dieu était sur le Jourdain. La parole de l'homme de Dieu avait sanctifié les eaux du Jourdain. Donc vous ne pouvez pas comparer une eau miraculeuse à une eau qui n'a rien fait. Depuis des années, personne jamais n'avait été guéri. Quand il est allé, selon la parole de l'homme de Dieu, il a respecté le Jourdain. Il ne peut plus comparer le Jourdain au Parpar non, ce n'était plus possible de faire une telle comparaison. Donc, écoutez, frère, l'humilité, c'est important. Quand tu t'approches d'un homme de Dieu, quand Dieu t'envoie quelqu'un passer des programmes comme ceci, comme j'ai expliqué dernièrement dans mon inquiétude, je vous ai expliqué que quand il y a des programmes comme ceci dans le royaume de Jésus, il n'y a rien au hasard. Il n'y a pas de hasard. Non. cest à dire que le temps est arrivé pour que Dieu te visite. So, C'est pour cela qu'il y a des programmes comme ceci. Quand Dieu demande, laver la face, lavez la face, et les gens jouent. J'ai dit dimanche à l'église, j'ai vu des gens qui sont arrivés à l'église, au point des actes prophétiques, quelqu'un est assis comme ça, il regarde. L'acte prophétique est révélé par l'Esprit de Dieu pour résoudre un problème ponctuel dans l'espace-temps. Il faut comprendre cela. L'acte prophétique, tu négliges l'acte prophétique, tu négliges ta propre vie et ta propre délivrance. Tu retardes ta propre délivrance. L'homme de Dieu l'a guéri parce que nous appelons les injonctions prophétiques. Va te laver sept fois dans le jourdain, sept fois. Pourquoi sept fois? L'homme de Dieu n'a pas reçu le général parce que par l'esprit de la prophétie, il savait que c'est un homme orgueilleux, c'est un, un homme altruiste, c'est un mégalomane, c'est quelqu'un qui a une très haute opinion de sa personne. Et l'homme de Dieu n'a pas voulu vendre la gloire du ministère devant une autorité. Et j'aime ça, j'aime cet esprit-là. C'est pas parce que tu as une autorité que tu vas vouloir piétiner sur les hommes de Dieu. Non, une vraie autorité. Lorsqu'elle va rencontrer un homme de Dieu, elle va avec tout le respect du monde. Elle s'humilie, elle met de côté ses galons, elle met de côté sa position sociale, elle voit la grandeur de Dieu à travers son serviteur. Les serviteurs de Dieu comme Élisée sont en train de manquer aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes de Dieu deviennent les esclaves des riches, les esclaves des hommes puissants selon le monde. Frère, toi ce que tu portes là, tu penses que l'or et l'argent peuvent acheter ça c'est ça que Jésus-Christ a dit, qui, qui, il dit, il dit que donnera un nom en échange de son âme. C'est-à-dire que ton âme n'a pas de prix. L'argent ne vaut pas ton âme. L'or ne vaut pas ton âme. La, 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 les diamants ne, 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 le diamant ne vaut pas ton âme. Les richesses ne valent pas ton âme, mon ami. Et l'onction que tu portes, il n'y a aucune position qui valent cette onction-là. Personne. Aucune position sociale. Aucune richesse humaine. Ne peut valoir l'or de l'onction que je porte, la grâce que je porte, le manteau que je porte. Donc, je ne peux pas m'humilier devant quelqu'un au nom de quoi que ce soit. Je sais ce que je porte, je sais ce que je vaux, et je connais la puissance qu'il y a dans la parole qui sort de ma bouche. Je vous ai dit hier que le Seigneur m'a dit en vision quand il m'appelait, bah, le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'éternel ton Dieu, je verrai sur toute la parole que je prononcée à ton égard pour l'exécuter. C'est pas des jeux. Nous sommes des hommes chargés par la gloire de Dieu. On voit la face de Dieu 24 heures sur 24. Et quand on sort, nous déclarons, la chose arrive. Va te laver dans le Jourdain. Cette fois, tu veux, tu vas. Tu ne veux pas, tu laisses. C'est ton problème. Lave ta face trois fois. Tu veux, tu le fais. Tu es délivré. Tu ne le fais pas. C'est toi qui continueras dans la souffrance. C'est pas l'homme de Dieu. Mais tu ne te plaindras pas. La Bible dit, au jour favorable, j'étais visité, mais vous ne l'avez pas su. Laisse-la, qui la Au jour favorable, j'étais visité, mais vous ne l'avez pas su. Pourquoi parce que le jour favorable est arrivé et tu as méprisé. Et maintenant, écoutez, les serviteurs de Naman vont lui dire quelque chose de très important. Je loue Dieu pour des hommes comme ceux-là, comme ces serviteurs. Il était bien entouré. Il était entouré par des serviteurs sages qui pouvaient dire la vérité à le maître. Les serviteurs lui disent quoi Que, mais, notre Père, Papa, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait cela Il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent rencontrer les hommes de Dieu, ils s'attendent qu'on leur demande de faire quelque chose de très, très compliqué. Peut-être va chercher les intestins du moustique. Si tu m'apportes les dents de l'abeille, immédiatement tu seras guéri. Apporte les intestins de la fourmi et tu seras délivré. On va prier avec cela. Donc ils s'attendent à ce qu'on leur demande quelque chose de bizarre, quelque chose de difficile. Mais quelqu'un arrive et puis le prophète dit, OK, on va laver la face trois fois, ton problème sera brisé. Ah, ça c'est quelle histoire, ça. Avec l'eau, comment l'eau peut me purifier Nous parlons de l'eau, hein. L'eau, Dieu a utilisé l'eau dans la Bible pour faire des choses extraordinaires. Déjà qu'à l'ouverture même de la création, dans la définition du jardin d'Éden, on commence par l'eau, deux branches d'eau. Voilà pourquoi il demande, il connaît ce que l'eau peut apporter dans la vie de quelqu'un. Cette eau était la figure du baptême. Vous comprenez? C'était aussi une figure du baptême. Et c'était aussi une eau, une figure de la purification par la puissance de l'eau. Et il est parti, il s'est lavé sept fois. Sept, c'est le signe le le, le le chiffre de la perfection absolue. Ça veut dire qu'il est allé une fois il sort rien, deux fois il sort, ça diminue, trois fois il sort, quatre fois il sort. On appelle ça la délivrance ou la guérison graduelle. Parce qu'il y a la guérison instantanée, il y a la guérison à moyen terme. La guérison à moyen terme ça veut dire quoi On peut prier sur toi l'Église. Quelqu'un reçoit sa guérison sur place. Toi non. Mais avant d'arriver à la maison chez toi, tu te rends compte que tu es guéri. Ou alors ça peut faire encore un mois ou bien un an. La prière qu'on a faite sur toi, deux ans en arrière, dix ans. En arrière, pam, elle explose, et puis le miracle s'opère. Donc c'est un peu cela. Donc ils lui disent que mais papa, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait, tu l'aurais pris au sérieux. Mais parce que c'est tellement facile, tu te dis mais l'avais cette fois. est-ce qu'on manque d'eau, etc. C'est comme ça que certaines personnes pensent. Quand ils viennent voir les hommes de Dieu, ils veulent qu'on leur demande quelque chose de compliqué. Non, ça montre le mépris que le prophète avait. Pour le problème qui était impossible à résoudre par le général Naman et tous les marabouts de son pays. Tous les marabouts de son pays. Personne n'a pu le guérir. Mais l'homme de Dieu lui dit c'est va te laver cette fois. C'est simple. Qu'y a-t-il de plus facile que de te dire? Si tu laves ta face trois fois, tu reçois ta guérison, ton problème reçoit une solution, on va t'appeler, tes papiers, tes documents seront rétrocédés, ta maison sera rétrocédée, ta vie sera bénie, et puis la malédiction quittera ta vie. Il y a quoi de plus simple que ça? C'est aussi simple que ça. Et je vous dis la même chose aujourd'hui, par la parole de l'éternel. Quiconque lave sa face, avec nous ce matin. Et quiconque le fera même après ce direct, et quiconque va partager ce direct, Dieu lui accordera une double délivrance. C'est-à-dire qu'il y aura un bonus de délivrance dans sa vie. Donc, ne conditionnez plus les hommes de Dieu. Ne conditionnez plus les hommes de Dieu. Laissez-nous faire comme l'Esprit de Dieu nous guide pour votre salut et pour votre restauration. S'il vous plaît. Donc, quel que soit ton problème, ne regarde pas la complication de ton problème. Face à la simplicité de la solution, la simplicité de la solution que propose l'homme de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu peut tout faire. Il peut plein des moyens. En tout cas, l'Esprit de Dieu n'agit pas comme tu t'attends toujours. Non. Il faut que nous comprenions cela. Et Naman va faire quelque chose. Hein. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Naman va faire quelque chose. Il dit euh, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naman dit, écoutez maintenant, écoutez, écoutez, pardon. Ça c'est important. Écoutez bien. Alors Naman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaustes ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y proscerner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosternerai aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naman eut quitté Élisée et qu'il fut... A eu cette distance, laissons ça, c'est bon. Élisée lui dit Va en paix. Alors, dans ce passage, vous avez remarqué quoi Vous avez remarqué, n'est-ce pas La Bible explique que Naaman va donner des dons au prophète le prophète va refuser. Ça, c'est un vrai prophète. Ce n'est pas comme les prophètes friands d'argent, friands d'or, d'argent, du matériel, etc. Non, il garde son honneur. Mais c'est pas ça qui est le plus important. La Bible dit que Naman va faire une demande inouïe au prophète. Une demande bizarre. Il demande au prophète :« Maintenant, comme je suis en train de rentrer en Syrie, je t'en prie, permets-moi de prendre de la terre de ton pays, la terre d'Israël, deux mesures de mulet, pour ramener cela en Syrie. » Le prophète va lui dire :« Prends. » Et il a pris la terre. L'homme s'y était sage. Il avait compris la puissance de l'influence des malédictions de la terre dans sa vie. La lèpre de Naman venait de la terre, de la maison de ses parents, qui était une terre maudite, une terre qui avait la lèpre. Et Naman a compris que la terre d'Israël, si elle m'a guéri, c'est une terre bénie. Et je dois avoir une connexion directe avec la terre du pays ici. Je ne dois plus jamais être déconnecté avec la terre de ce prophète. Parce que la terre de la vie de ce prophète est une terre bénie. C'est une terre qui brise les malédictions. C'est une terre qui guérit les maladies. C'est une terre qui change les histoires. C'est une terre qui rectifie les erreurs du diable dans la vie de quiconque marche sur cette terre. Il a compris que la terre d'Israël était une terre qui avait été épurée, qui avait été purifiée, qui avait été sanctifiée, sur laquelle le nom de l'Éternel était invoqué. Et il savait qu'il y avait une grande gloire dans cette terre. Il savait que cette terre n'était plus sujet de malédiction. Et il savait aussi que la terre de son pays avait la lèpre. Et il ne voulait plus retourner. De peur que cette lèpre ne le frappe à nouveau. Il voulait être connecté à la terre d'Israël. Il prend la terre bénie et il va dans son pays sur sa terre maudite. Il bâtit un hôtel avec la terre sanctifiée et la terre maudite de sa vie est sanctifiée. Voilà pourquoi c'est un principe biblique. La Bible dit tout est pur. Pour celui qui est pur. C'est Jésus qui dit ça. Tout est pur pour celui qui est pur. Donc, ça veut dire quoi? Une terre pure purifie une terre souillée. Une terre bénie bénit une terre maudite. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Donc, frère, Naman a compris cela. Et quand il a fait cet acte prophétique, voilà les actes prophétiques. C'est un païen. Toi, tu es enfant de Dieu, tu doutes des actes prophétiques. On parle des actes prophétiques, tu contestes contre l'esprit de Dieu. Tu bavardes, tu racontes les histoires, tu racontes les problèmes. Et les chaînes de ta vie sont maintenues. Tes problèmes sont maintenus. Voilà le célibat qui va te tuer. On ne sait même plus si tu vas te marier. Alors, c'est là. Mais le prophète doute déjà Si tu vas encore te marier. À ton âge, tu n'as pas encore un terrain. À ton âge, tu n'as pas encore conçu une maison. À ton âge, même le loyer, la location te dépasse. À ton âge, tu n'as jamais acheté un vélo. Et tu bavardes, et tu parles, et tu critiques l'esprit de Dieu. Frère, nous devons nous répentir. Répentez-vous et soumettez-vous à l'esprit de la prophétie pour être délivré. Dieu a envoyé un prophète. Lave-toi. Il a compris. Il a compris le jour-là que le jour D, ce n'est pas le parpa. Le jour D, ce c'est pas l'albana. Il a compris cela. Le prophète n'a pas bavardé avec lui. C'est la puissance. C'est pas une question de bavarder. C'est une question de puissance. Tout à l'heure, la puissance va te toucher. C'est pas une question de faire le bruit. Ta chaîne sera brisée. Je n'ai pas besoin de te connaître ou bien d'être là. Mais l'Esprit de mon Jésus sera où tu es pour apporter la délivrance et la restauration dans ta vie. Ce problème va quitter ta vie. Cette chaîne sera coupée. Cette porte sera ouverte. Je te dis la vérité. Tu seras surpris de ce que la puissance de Jésus-Christ va opérer dans ta vie aujourd'hui. L'Église doit tourner son cœur vers Dieu. Et se confier au Serviteur de l'Éternel. Et il a pris la terre. Il est parti avec. C'est pour cela. Ça, c'est un païen. Il a compris que la terre de son pays devrait être bénie. Toi, tu t'amuses avec cela. Ce dimanche, s'il te plaît, si tu aimes ta vie, ne manque pas avec ta terre. Ceux qui seront connectés en direct, prenez la terre de vos villages. En direct, je veux avoir un instant avec vous. On va prier en direct. Je vais vous donner un numéro. Vous allez appeler ce dimanche en direct. On va suivre votre témoignage pendant les deux cultes. Et le troisième culte à Douala. Si tu es à Douala, tu manques ce dimanche à 16h. Mon ami, tu n'aimes pas ta vie. Tu es le premier plus grand ennemi de ta propre vie. Je te dis la vérité. Si tu vois cette occasion et tu la laisses passer, mon ami, c'est toi-même qui est à l'origine de tes problèmes et de tes difficultés. C'est ça la vérité. Si on ne te dit pas ça, moi je te le dis, je n'ai pas peur de toi. Je te le dis pour que tu comprennes, si tu peux comprendre, que tu comprennes et que tu te répandes. Donc ce dimanche, Dieu va se manifester. Et par la grâce de Dieu, vendredi, viens avec ta bouteille d'eau à la bière. La main de Dieu sera puissante. Ce vendredi, ça sera grave. Ne laisse pas l'enfant à la maison. Ton enfant a droit aussi à la sécurité. Il a aussi une vie. Il a une histoire hein, qu'il est en train de débuter. Si tu aimes vraiment ta famille, tu dois venir avec tous tes enfants. Prépare ton agent de taxi. Viens à la bière ce vendredi à partir de 16h. Et dimanche le 25, nous avons le culte des plaintes à l'éternel. Ne manque pas ce culte. Voyage. Tu peux quitter même l'Europe pour venir le 25 avril. Ne manque pas le grand culte des plainte à l'éternel. Dieu veut te faire du bien. Et vendredi le 23, je crois que c'est le 23 avril, hein, on a la nuit des flammes. Hein? La nuit des flammes de ce mois. Ne manque pas. Des gens s'amusent avec leur vie. Non, non. Ça, ce n'est pas le genre de mois où tu restes à la maison chez toi. C'est en ressemble chez toi à la maison que tu vas changer quoi? Sincèrement. Prépare ta bouteille, prépare ta bouteille d'eau. Prépare ta bouteille ou bien ton verre d'eau. Hein? Pour ceux qui n'ont pas de bouteille d'eau, prépare ton verre d'eau. Nous allons passer à la délivrance. Zamma inala inkao dei. abanao sen ao de lo da Pero dei i ouassorami dalo baro ki dali. Seigneur, j'invoque ton nom dans cette eau, barami mon kaudei, farami mun se in aoudala que le mystère de l'eau de tes cols, Seigneur, entre dans cette eau, gorami mojero ferami lo que l'impossible devient possible dans nos vies, Jésus. Barami monra ifili garome, Jarumi monra ifili maloseva, Lumi je varami varou Zabarami manita udeli falo gurami barokias kias u felam. ufelam, la telimalo se balikum lazaro. Be inabra ra udala ferazokramita inta udala, salamita udali Saint-Esprit, que ton soit entre dans cet eau maintenant. Mm. Saint-Esprit, que ta puissance entre dans cette eau maintenant. Saint-Esprit, que ton souffle entre dans cette eau maintenant. Dans le monde entier, la distance n'est pas une barrière. Que les malédictions soient transformées en bénédictions. Que les malédictions ancestrales, les malédictions centenaires et millénaires soient changées en bénédictions dans leur vie, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos carrières. Que les maladies les plus dangereuses les maladies les plus mortelles libère le corps, libère les belles corps les belles maisons toi qui me regardes chez toi à l'hôpital dans ton lieu de travail toi qui es en train de voyager la main de dieu te touche la main de jésus-christ te touche la main de jésus-christ te touche la main de jésus-christ te touche dans le nom puissant de jésus les malédictions qui ta vie les malédictions qui ta vie Seigneur, pendant que nous lavons nos faces, nous nous séparons de la malédiction de l'esclavage dans toutes ses formes, dans le nom précieux et souverain de Jésus. Je te mets sous l'emblème de l'onction du Saint-Esprit, sous l'emblème de l'onction du Saint-Esprit, ce problème qui ta vie, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta guérison, tu reçois le secours de l'Éternel, que le secours te soit envoyé d'en haut.

Wa minka Tout ce qu'on a mis dans ta vie, de ta tête à la plante de tes pieds, ça sort, ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Au nom de Jésus. Tout esprit, tout démon d'infertilité dans ta vie dans ton corps, dans tes trompes, dans le nom de Jésus, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta carrière, dans ton lieu de service, dans tes études. Le démon d'infertilité te quitte. Le démon d'infertilité te libère dans le nom puissant de Jésus. Satan passe tôt. Que le Seigneur te reprime. Que le Seigneur te reprime. Ramasse ce qui t'appartient dans leur vie et va-t'en. Je te l'ordonne maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pendant que nous lavons nos faces, nous nous séparons de ces choses qui nous ont bloqués depuis longtemps. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis amen trois fois et tu laves ta face trois fois. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du saint esprit la délivrance la délivrance maintenant tu peux boire zama t'amen wa in Puissance puissant de dieu Sois libéré dans leur vie gazarami touche ton écran de télé la manta au deyli filia c'est la guérison maintenant. Balamina zalimalikumidal. Zarami malotayfiliano wa anna otel wa anna otal je vois le miracle venir dans ta vie. Je vois le miracle venir, je vois le miracle venir. Eh, hey je vois le miracle venir. Je vois le miracle, 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 miracle descendre du ciel dans ta vie. La gloire de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Le ciel se déchire. Le ciel se déchire. Le ciel se déchire. Le ciel se déchire. 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 Partage cette vidéo à quelqu'un maintenant. Partage, s'il te plaît. Envoie la vidéo à quelqu'un. La gloire de Dieu descend sur toi. La puissance de Jésus descend sur toi. La puissance de la délivrance. Ton miracle est libéré. Ton miracle est libéré. Son miracle est libéré. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois ces portes s'ouvrir. Je vois ces portes s'ouvrir. Avant le coucher du soleil, je vois une grande délivrance dans ta vie. Je vois une délivrance dans ta vie. Je vois une puissante délivrance dans ta vie. Reçois ta délivrance. Reçois une visitation angélique. Reçois la main de Dieu. 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 La main de Dieu, main de Dieu touche ta vie maintenant. La gloire de Dieu est en train de se manifester dans le monde entier. La puissance de Dieu est en train d'agir. La guérison est en train d'agir. La délivrance est en train d'agir. Je vois la main de Dieu toucher quelqu'un. Je vois toute une maison sous l'ancien. Toute une maison, hein? toute une famille par terre. Le Saint-Esprit est en train de glorifier Christ dans leur vie. L'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Paraclétos est en train de restaurer toute cette famille. Regardez la famille Je vois toute la famille à terre. Je vois Dieu enlever le vêtement de la honte. Le vêtement du désarroi. Le vêtement du mépris. Regardez l'onction agir. Je vois l'onction de Dieu agir. Je vois des gens ivres du Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, inonde-les de ta présence. Inonde-les de ta gloire. Inonde-les de ton onction. Inonde-les de l'onction qui brise le joug. Je vois le jougs brisés. Je vois le sorcier qui avait bloqué ta vie mourir. Je le vois mourir. Je le vois par terre. Je le vois par terre. Je le vois par terre. Puissant de Dieu, poursuis les ennemis de ton peuple. Poursuis les ennemis de ton peuple. Que Dieu poursuive tes ennemis. Que Dieu poursuive ses maris de nuit. Que Dieu poursuive ses femmes de nuit. Que Dieu poursuive ses sorciers qui étaient contre ta vie. Qui ont travaillé contre ta vie. Puissant de Dieu, poursuis-les. Puissant de Dieu, rattrape-les puissant de Dieu stop les, puissant de Dieu détruit les, puissant de Dieu détruit leurs hôtels, puissant de Dieu touche, puissant de Dieu touche, puissant de Dieu touche, cet hôtel dans ta maison, le feu sur cet hôtel, je vois le feu de Dieu sur cet hôtel, je vois la gloire, la gloire, l'onction qui brise le jour, l'onction qui brise le jour, l'onction qui brise le jour, l'onction qui brille le jour, puissant de Dieu agit, puissant de Dieu agit, puissant de Dieu agit, puissant de Dieu agit, Reçois ta délivrance, je vois la guérison des maladies incurables, soit guéri soit guérie, soit touché. soit visité. Puissant de Dieu, 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 puissant de Dieu. Descends, de descends, descends. Agis, 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 agis. De ta tête à tes pieds, les sept tonnerres de Dieu, les sept tonnerres de Dieu, la puissance de la délivrance. Et dans ta vie, chaque domaine de ta vie, l'onction parcours, l'onction parcours, l'onction parcours, l'onction parcours, l'onction parcours, l'onction parcours, parcours, chaque domaine de ta vie, où il y a eu des pratiques diaboliques, ces pratiques sont brisées, ces pratiques sont brisées, ces pratiques sont brisées, ces pratiques sont brisées. Je vois la puissance de Dieu te toucher. Je vois l'huile, l'huile, l'huile de Dieu, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu te toucher. La gloire, oh mon Dieu, Bamata. Je vois la gloire de Dieu toucher quelqu'un ce matin. Voilà la gloire. Regarde la gloire. Sans la gloire de Dieu. Hein? Sans la gloire de Dieu. Sans la gloire de Dieu. Hein? La main de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Je vois la gloire toucher Dieu. Toucher quelqu'un. Je vois la gloire de Dieu toucher quelqu'un. Les vêtements que les sorciers avaient mis sur toi. Les vêtements de célibat, vêtements de maladie, vêtements de limitation, vêtements d'esclavage, vêtements de souffrance. Je dis vêtements de souffrance. Je vois ces vêtements déchirés. Je vois les vêtements déchirés. Je vois les vêtements déchirés. Je vois ta gloire rétablie. Oh mon Dieu, je vois la gloire. Des vêtements blancs qui sont en train d'être donnés, d'être partagés, d'être dispatchés dans le monde entier, partout où les gens sont connectés. Je vois un vêtement de gloire sur ta vie. Un vêtement de gloire sur ta vie. Cette maladie sort. Tout ce qui était en toi, qui n'était pas de Dieu, sort. Je dis ça 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 sort. Comme je dis ça sort. Comme je dis ça sort. Tu vas sentir la main de Dieu te toucher. La main de Dieu te toucher. Il y a des gens qui vont sentir la main physique. Je ne suis pas en train de m'amuser. La main physique, Seigneur, donne-leur ce signe. Que ta main physique les touche. Que ta main physique les touche. Il y a des gens qui vont tomber. Que ta main physique les touche dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu qui a touché Moïse, qui m'a touché, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, la gloire de Dieu est dans ta vie. Dieu me dit de dire à quelqu'un, la honte vient de quitter ta vie. La déception vient de quitter ta vie. Je te dis la vérité. La main de l'ennemi vient de libérer tes enfants. Tes enfants qui étaient sous l'oppression du diable. Par ce service, j'ai vu le diable fuir. La Bible dit, je voyais moi-même Satan tomber comme l'éclair tombe du ciel. Je viens de voir Satan tomber de son trône dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie. Oh, le trône de Satan est renversé. Le trône du diable est renversé dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Quand tu envoies des cœurs, c'est amen. Des pouces bleus, ça veut dire amen. Ça veut dire que je reçois la gloire est dans ma vie, la puissance est dans ma vie. Je confesse, je témoigne et je crois de tout mon cœur. Que comme cette parole sort, elle ne retourne pas à Dieu. Sans avoir accompli avec succès les desseins de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma carrière, cette journée ne s'achève pas. Si la puissance de Dieu ne m'a pas touché, je serai témoin, on ne va pas me raconter, mais je serai témoin oculaire de la gloire de Dieu, de la touche de Dieu dans ma vie. Si c'est la confession de ton cœur, si tu crois en cela de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Reçois la solution à ce problème. Il n'y a rien de difficile à Dieu. Reçois la solution à ce problème. Reçois la solution à ce problème. Reçois la solution à ce problème. Ce problème a une solution. Et cette solution, tu la reçois. Dis Amen. Tu la reçois. Envoie les cœurs et les pouces. Ça veut dire Amen. Tu la reçois. Reçois. Quel que soit le problème là. Je te dis par Jésus Christ. Qui est assis sur le trône. Et qui revient bientôt chercher ses élus. Ce problème a une solution. Ce problème a une solution. Cette maladie, ce blocage, ce qui te fait pleurer là, ne te fera plus jamais pleurer. Ces égyptiens que tu vois, ceux qui se sont rendus coupables de ton malheur, du malheur de tes enfants, du malheur dans ta vie, ta carrière, tes projets, sauf si Dieu ne m'a pas appelé, je te dis la vérité. Ils seront jugés. Ils seront saisis par ce service de lavement de la face, ils seront saisis par la puissance de Dieu qui est, toi qui est sur toi maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Un sorcier tente de prononcer ton nom, que l'eau s'il le noie, qu'il soit noyé par la vertu du mystère de l'eau, ouint, au nom précieux de Jésus. Quelqu'un prend ton habit, il prend ton vêtement, il prend tes cheveux, il prend tes sous-vêtements pour aller chez un marabout, pour proclamer ton nom ou le nom de tes enfants ou ton mari ou ta femme, pour apporter la zigzanie dans ton mariage, dans ton foyer. Je le dis comme serviteur du Dieu vivant dans ce pays. La puissance de Dieu frappe la personne par la vertu de cette eau. La personne est frappée d'aveuglement. Elle devient aveugle, elle devient aveugle. L'apôtre Paul a dit ceci. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Que celui qui t'afflige soit affligé. Parce que la sécurité divine descend sur toi. L'ange de Dieu à partir de maintenant sera devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite, pour t'arracher de tout danger. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Telle est la parole que Dieu me dit de te dire. Et cette parole est certaine envoie les témoignages. Lorsque nous avons lavé la face, qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison Dans ton lieu de travail Tu auras cette promotion. Ta promotion vient d'être libérée par la parole de l'Éternel. Hein? Ta promotion est libérée. Hein? Tu ne peux plus être stagnant. Tu ne peux pas assister à ce programme. Et tu es stagnant. Je te dis la vérité. Tous les hommes d'affaires, toutes les femmes d'affaires, tous les commerçants, vous me direz, avant la fin de cette semaine, Rendez témoignage, rendez témoignage. L'argent va te chercher. L'or va te chercher. Les contrats vont vous chercher. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et sa bénédiction est dans cette eau. La bénédiction de l'éternel enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je bannis le chagrin de ta vie. Le chagrin qui t'a 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 vie. Puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas s'aimer et tu vas moissonner dix mille fois. Dis Amen, pardon, pardon, dis Amen. Dis Amen, s'il te plaît, envoie-moi le cœur et le pouce. Envoie le cœur et le pouce, pardon. Ça veut dire Amen. Je dis, hein, je suis en train de parler comme prophète. Si tu crois que je suis prophète, et je pense que tu t'es connecté parce que tu crois en la parole des prophètes, en la parole de l'éternel dans la bouche de ses serviteurs. Je suis en train de te donner cette prophétie hein, qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas récolter le fruit de ton travail. La Bible dit, dites que le juste prospérera et qu'il jurera du fruit de son travail. C'est moi qui te parle en tant que prophète, prophète Ferdinand et Canet. Va dire ça aux sorciers de ton village. Va dire ça à tes parents qui t'ont maudit. Va dire à tous ceux qui t'ont dit que tu ne seras rien. Que ta vie n'aura rien. Que tu es né pour être bon à rien. Dis-le que le prophète Ferdinand et Canet a dit, par la parole de l'éternel dans sa bouche, qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que je ferai, je vais jouer du fruit de ton, de mon travail, et il en sera ainsi. L'or va te suivre, l'argent va te suivre, la prospérité va te suivre, le succès va te suivre, à cause de ce service de lavement de la face. Pourquoi? Parce que les malédictions qui étaient cachées dans la terre, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ont été brisées. Dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth, prends de cette eau, fais l'aspersion sur ta maison, va dans ta boutique, fais l'aspersion au sol, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Tu fais juste l'aspersion de cette ouinte dans ta maison, dans ton bureau. Si tu crois que dans ton lieu de travail, on a fait des gris-gris contre toi, bien qu'il y a des hôtels, des entités maléfiques contre ta vie, fais l'aspersion d'eau ouinte là-bas. Tu verras ce qui va se passer. Les malédictions seront brisées. Dans ton lieu de travail, les gens vont venir confesser de leur bouche que j'étais bloqué. J'ai amené ton nom sur le marabout. Si tu n'as jamais vu ça, yedi angkor down to where the travel down to where the service groundnut oil and kerosene pray take this water on which i pray bring it at your workplace at your office in the market where you are working please just spray the water like this spray it say in jesus name every evil otter against my life on this place i break you those wicked people who have taken your name. I've taken your garment to bring them somewhere to practice some uh, witchcraft issues. In the name of Jesus they will call you and confess. I tell you the truth. They will come with their mouth, with their feet to come and meet you and confess all the evil things they have done against your life. Ça c'est quelque chose qui est certain. Tu as perger ça dans ton bureau. Si quelqu'un est dans ton bureau un sorcier qui a pratiqué la sorcellerie, la magie noire contre toi, l'eau s'y va l'obliger à venir confesser. Dans ta maison, s'il y a des enfants sorciers, la nuit s'ils n'arrivent pas, le soleil ne se couche pas, qu'ils aient confessé le mal qu'ils t'ont fait. L'eau s'y fait parler les sorciers. Je te dis la vérité. Ça fait parler le méchant dans le nom de Jésus. Parce que l'onction du nom de Jésus Christ y est invoquée. Père, merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour les témoignages qui fusent des milliers et des milliers de témoignages partout dans le monde entier. Homme de Dieu, toi qui es connecté, qui me regarde, la main de Dieu vient de relever ton ministère. Dieu vient d'ouvrir tes yeux. Dieu vient d'ouvrir tes mains pour guérir, opérer des guérisons et des miracles instantanés que l'on ne peut même pas imaginer. Dieu vient d'élever ton ministère. Toi qui es marié, Dieu vient d'élever ton mariage. Dieu va bénir ton mariage. Dieu va multiplier vos bénédictions. Dieu va multiplier vos grâces. Dans tous les domaines, tous champs de prédilection de ta vie, l'éternel vient de t'éclairer dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que sa fidélité soit ton bouclier. Après ce service d'eau, quelqu'un t'attaque. Il meurt. Il die. On ne cherche pas quelqu'un. On n'est jamais allé dans la maison de quelqu'un pour chercher quelqu'un. On est venu t'attaquer. Mais tu viens attaquer ceux qui sont participants de ce service d'eau. Tu meurs. On t'enterre ça passe, On tentait, tes obsèques passe même. On sait pas qu'il y quelqu'un mort. Je vous dis la vérité. Ne tente pas. Donc, si tu es sorcier, tu me regardes. Si tu veux faire l'essai, commence par moi-même. Fais l'essai sur moi. Tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Fais l'essai. Essaye d'appeler seulement le nom Ekané Ferdinand devant ta, ton canari. Dis seulement Ekané Ferdinand et tente. Je parle au monde entier. Dis seulement, prophète Canet Ferdinand devant ton canari ou devant tes gris-gris. Tu vas voir ce qui va se passer. L'eau va sortir de ton canari va te noyer dans ta propre, euh, ton propre temple. Et toi et ton Dieu, vous serez noyés. Et tu sauras qu'il est écrit, ne touchez pas mes yeux, ne fais pas de mal à mes prophètes. Père, merci pour cette grande gloire que tu répands sur ton peuple. Que la louange te soit donnée pour toujours. Au nom précieux de Jésus, Amen. S'il te plaît, passe l'annonce de cette émission à tes amis. Invite les membres de ta famille demain. Dès qu'il sera 10 heures, dis aux gens ce que Dieu fait. Ne garde pas ça pour toi seul. Partage, sponsorise notre page. En tout cas, fais ce que tu peux faire. Tout ce que Dieu peut te mettre à cœur. Pour rendre ce programme universel, s'il te plaît, fais-le, ne t'amuse pas, fais-le. C'est Dieu qui parle à ton cœur. Tu peux nous aider à faire des montages, des photos, etc. Pour que notre page puisse être regardée encore par plus de personnes. S'il te plaît, fais-le, c'est Dieu qui parle à ton cœur. Quant à moi, je te retrouverai demain, dès qu'il sera 10h. Ne manque sous aucun prétexte. Les habitants de Garoua, je serai en Gandara d'abord le 3 Lundi le 3 avril, nous avons une soirée puissante en Gaoundara. On au niveau de notre église, et puis du 4 au 6, nous serons à Garoua, dans notre église qui est à, au quartier Plateau, en face de l'hôtel de la Cannes. Ne manque pas à ces programmes. Quand tu viens, que Dieu te bénisse. Habitants de Douala, à partir de dimanche, nous relançons les hostilités dans votre ville. Service de lavement de la face, dimanche 16h, en Dombon, derrière l'immeuble Kamler. Et tous ceux de Yaoundé, pardon, je me mets à genoux, je vais me faire comme on me à genoux ici, pardon. Ne manque pas ce vendredi. Vendredi, à partir de 16h, viens avec tes enfants. Ne laisse personne à la maison. Dimanche, on a deux cultes à Yaoundé. 7h, 10h, 10h, 13h. Viens avec ta famille. Nous sommes décidés. Dieu m'a suscité pour apporter la délivrance et pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Tu as droit à la liberté, tu as droit au succès, tu as droit à la longévité, tu as droit à la santé, tu as droit à la bénédiction, tu as droit à la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu crois au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur... Éveille ton esprit pour comprendre ces choses et que sa gloire soit dans ta vie. Le culte de plainte à l'éternel dimanche le 25 avril. Dieu va faire des choses extraordinaires. Que Dieu te bénisse. Mommy shalom et moi nous vous saluons et nous vous aimons tellement. Shalom, shalom. Demain, il y aura un numéro par lequel nous allons communiquer. Parce qu'à partir de demain, il faut que tu parles, tu dois t'exprimer. Tu dois nous dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.